La paix, la nuit de sa servante,
Adja Urukia, Mariam, veuve Lanzani Namon Kotok Kubali, ex-président de la Cour suprême et belle-mère d'un de vos très proches collaborateurs, à la personne de M. le ministre Hubert Sarasolo, directeur de votre cabinet. Excellence, M. le président de la République, votre présence très réconfortante, qui confère à la présente cérémonie de lever de corps un cachet exceptionnel, témoigne de votre généreuse volonté de rendre hommage au grand serviteur de l'État que fut le président Elaï Lanzani Namon Kotok Kubali, et surtout du soutien très appréciable qu'il vous plaît d'apporter au couple fidèle Sarasolo. Ce geste magnanime dont nous sommes tous très fiers honore l'ensemble de vos collaborateurs et constitue une source inépuisable de véritable réconfort pour chacun des membres des familles et tout emboutira à la mort. Proclame Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble Coran, à la Sourate 3, verset 185. C'est en application de cet implacable décret divin qu'il a plu au Créateur suprême des cieux, de la terre et maître absolu de notre destin de rappeler auprès de lui notre mère, belle-mère, grand-mère, sœur et amie, Adja Urukia Mariam Koulibaly, le vendredi 27 août dernier. Les articulations principales du programme de ce matin sont les suivantes. La lecture complète et intégrale du noble Coran a été réalisée sous la direction du COSI. Ensuite, il y a eu la présentation des condoléances aux familles éplorées que nous venons d'effectuer. C'est au terme de l'exécution de ce point que nous avons l'ainsi honneur, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous accueillir pour prendre votre part du deuil. Excellence Monsieur le Président de la République, j'ai l'ainsi honneur de solliciter votre approbation pour la mise en œuvre de la suite du programme qui comporte deux éléments. Le mot de remerciement de la famille, la lecture des bénédictions du noble Coran, qui sera clôturée par la fatia finale de cette lecture. Thank you.
déclaration qui nous coûte à l'âme et à l'âme. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents des institutions, Madame la Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Éminence les imams, chers parents, chers frères, chères sœurs, chers amis et connaissances, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prime abord de rendre grâce à Allah, souverain de votre parole, le Seigneur des mondes, maître du jour de la rétribution, pour nous avoir permis de nous retrouver ce lundi 30 août 2021 à la grande mosquée de la Riviera Golf pour accompagner de nos prières notre regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Hadja Mourodia Maria Mourodibani, que nous appelions affectueusement Mamie. Il serait fastidieux de grainer toutes les qualités qui faisaient de notre mère, notre mamie. Mamie était très discrète, affectueuse, respectueuse de son prochain, et surtout très généreuse, prête à apporter son soutien aux personnes les plus démunies. Mamie a vécu pleinement sa foi à l'islam. Elle a eu à effectuer 5 fois le pèlerinage en Amérique. Mamie était notre amie, notre mère, celle qui nous consolait et qui nous encourageait lorsqu'on était dans le désert. Mamie était celle qui nous rappelait à chaque instant notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les êtres humains. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez été informé de la maladie de Mamie, Madame la Première Dame avait veillé à ce qu'elle soit prise en charge par les meilleurs médecins et soit mise dans toutes les conditions pour son prompt rétablissement. Bien plus, Madame la Première Dame et vous-même, vous vous êtes enquis au quotidien de son état de santé. Et bien souvent, plusieurs fois dans la même journée. Très touché par cette marque d'attention de votre part, Mamie n'avait cessé de manifester sa volonté de vous exprimer en personne sa gratitude après sa guérison. Des bénédictions pour votre épouse et vous-même. Excellence, Monsieur le Président de la République, les médecins ont mis tout en œuvre pour permettre à Mamie de retrouver sa santé. Mais il a plutôt plu à Allah subhanahu wa ta'ala de rappeler à lui sa servante le vendredi 27 août 2021 à 12h chez vous. Excellence, vous avez déjà fait, vous nous faites l'honneur, en dépit de votre agenda très chargé, votre présence aux obsèques de notre regrettée Mamie. Aujourd'hui, nous avons le devoir de porter la voix de Mamie, à laquelle mes frères et sœurs, mes familles, beaucoup de bannis, Sarasso, Simo Kodala et Alliés se joignent, afin de vous témoigner leur infinie reconnaissance pour tout ce que Madame la Première Dame et vous avez fait pour notre chère Mamie. Ce qui sera en mesure de vous rétribuer. Je voudrais exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude à tous ceux qui sont venus prier avec nous et nous exprimer leurs condoléances, leur soutien et leur affection. Le
subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Nos familles voudraient témoigner de notre reconnaissance au comité de gestion de la grande mosquée de la Mouraïa pour la bonne organisation de la maison du Seigneur. Nos remerciements infinis vont au président de cause, aux imams, aux religieux qui ont imprimé une forte spiritualité à la présente cérémonie. Chers imams, le Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos prières et vos bénédictions. La famille Lazini dans le groupe de Koudoubani, les grandes familles comme Koudoubani, Sarasou, Timoko Dalla et Ali, vous remercient. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter à chacun et à chacune d'entre vous la meilleure des rétributions. Layla illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors ma ifili, jami mawta muslimin, alizina shaytu la kabir wa dahni, wa li nabiyika wa bisala. وأكرم نزلها وأسيح مقدارها وأكسي أبي الماء وزلج مقدارها ونقي ذنوبي من الخطايا كما نقول الصوت أبيضا من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément aux instructions du veneur du Sénat de l'État, à votre conseiller spécial chargé des cultes et des affaires sociales, village de Fesconi. Thank you.